Salut, c'est Kelana. Aujourd'hui, on continue Assassin's Creed Odyssey. Donc, on était à Myrine. Donc, on va éliminer les tueurs. Donc, suite à un petit problème avec mon ordinateur, il va manquer des bouts de. Mais pas grand-chose, juste des. L'entrée d'une grotte. Ils sont là-dedans. Juste un petit bout où je sauve quelqu'un, une petite cinématique où il n'y a pas grand-chose, mais. J'ai un petit problème avec mon ordinateur, il a un peu planté, donc j'ai dû faire toutes les mises à jour et tout ça. Bon. Les trucs chiants en fait. Tous les trucs chiants qu'il faut faire avec un ordinateur. Moi j'espère que ça va pas planter là. Normalement ça devrait pas planter, j'ai fait un test pendant 1 heure. Je vais devoir faire très attention par ici. Il a fait un petit tour sur lui-même. Ramasse. Ceux des membres du culte. Voilà. Des drachmes portant toutes le sceau de Paros et une lettre rédigée en code. Allez, on va retourner voir Myrine. Ugh.
Et voilà. On va récupérer la tablette. Parce que... Là... Voilà. Mais monte. Les hommes du culte ont été payés en drachmes de Paros. Eh bien, je ne pouvais rêver de meilleures preuves. La situation est claire maintenant. Apporte ça à la guilde des marchands. Dis-leur que c'est la preuve promise et qu'ils peuvent garder toutes les pièces. D'accord. Il y avait ça aussi. J'imagine qu'il s'agit de leurs ordres. Je connais. C'est un ancien dialecte. Les adeptes du culte doivent l'utiliser pour communiquer. Tu arrives à le lire ? Cet argent ne vient pas de Silanos. Il vient de quelqu'un de Sparte. C'est impossible. Je peux te le traduire, mais ces ordres viennent d'un roi spartiate. L'aristocratie spartiate s'est toujours opposée au culte. Le culte ressemble à l'eau. Il se glisse dans la moindre faille. Sparte s'est toujours opposée à la corruption. Elle a changé depuis notre époque. La corruption se répand partout, comme le dit Aspasia, même à Sparte. Elle prône la discipline à travers tout le monde grec, mais elle pourrit de l'intérieur. Sparte se trompe d'ennemis. Je resterai spartiate. Et toi aussi. Oh, vraiment? J'ai des devoirs ici. Il faut contrer Paros. Mais ensuite, oui, je rentrerai. Il faut contrer Paros. Ok, demi-dieu direct. Alors, niveau de maîtrise, vous avez débloqué les niveaux de maîtrise. Il est possible d'investir des points d'aptitude en avantages statistiques ajoutés au bonus acquis à partir des armes et équipements. Il est possible d'accéder au niveau de maîtrise depuis la page des aptitudes. On va buter de l'adepte. Alors... Alors, on a chasseur, guerrier, assassin. Arc, animaux. Moi je suis plus guerrier, hein. Je suis pas. Masse lourde. Plus 3%. Plus 2%. Santé. Ah, la santé, ça pourrait être intéressant. Thank you.
On va un peu mettre là-dedans. Et on a assassin, dégâts à l'épée, vitesse de déplacement. Je vais mettre un point là-dedans. Et un point à l'arc. Voilà. Ensuite, les membres du culte. C'est qui? Alors... Qu'est-ce qu'il a, lui? Héros de guerre spartiate. On va le dévoiler. Nous détruirons vos statues. Nous brûlerons vos temples s'il le faut pour éliminer les immondes rongeurs que vous êtes. Lui, qu'est-ce qu'il a? Ok. Ouais, lui, il faut aller dans l'arène. Bon, on va aller le frapper, lui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en quête? Blocus de Paros. Tu peux parler. Des navires de Paros entourent le port. Maudit soit Silanos et cette saleté de culte. Quand cesseront-ils leurs ingérences? Oh. Il y a deux bateaux, c'est pas... Dis-leur que j'arrive. À Blocus, j'ai refusé de verser un tribut à Athènes et Paros tire profit de la situation. On ne peut plus espérer frapper les premiers. Je peux faire venir mon navire et nettoyer le port. Quoi? Seul face à tout un blocus? Mais mon bateau, il est à fond. On va tout nettoyer, ça sera bon. Ah, je plains déjà les marins de Paros. Sois prudente et reviens-moi, mon enfant. Il y a trois bateaux, non mais sérieux. Il y en a un gros, un petit et un autre petit, non? Je vois pas là. Ah, attendez, on va vous nettoyer ça. Les doigts dans le nez. Regarde, ils sont tout petits les bateaux. Bon, on va faire ça de nuit, hein. Allez. J'ai juste posé quelques trucs. Ça. Ça. Voilà. Préparez-vous, on part. La barre, t'attends. Rameux, allez. Accrochez-vous, allez. Voilà. Thank you.
Voilà, histoire de réveiller un peu tout le monde. Hop, allô? Allez, ciao! Voilà. Hop. Allez! Il tire sur nous! Il est prêt à tirer! Il faut bouger avant qu'il nous frappe! Hop. Non mais il monte pas sur le... Là au fond il n'y a pas de coffre. Hop. Allons-y! On a besoin de renfort. Non, on a besoin de personne. Et boum! Voilà! Et que je te dis que ce ne sera pas notre dernière bataille. Voilà. Ça, on sera tranquille. Voilà, c'était pas difficile. Ah, vas-y, parle-lui. Le port est libre. Nous devons agir avant qu'il n'envoie des renforts. Nous sommes presque prêts. Timo, on charge les navires. Ils seront prêts à ton signal. Cassandra, un mot. Quelque chose te tracasse? En dehors des attaques contre cette île et des agissements du culte, non. Mais j'ai à te parler en privé. Je t'écoute. Vas-y. Il faut agir contre le culte. Notre retour en Laconia promet d'être dangereux. J'ai l'habitude. Et toi aussi. Je sais à qui faire confiance ici. Je croyais pouvoir en dire autant pour Sparte, mais cette nouvelle à propos du roi... Aspasia a découvert qui des deux rois était allié au culte? Mieux vaut supposer que les deux le sont. Nous devons chasser la corruption de Sparte, quel qu'en soit le prix. Parce qu'il y a deux rois à Sparte? Un seul, ça vous suffit pas? Non, il faut les deux. Au moins, nous pouvons les affronter ensemble. Oui, pour tout ce que ces chiens ont tenté de nous prendre. Et ton frère, nous le retrouverons. Reviens me voir quand tu seras prête. Prête à prendre la mer?
Où va-t-on ? Nous allons annihiler une fois pour toutes la flotte de Barros. Ensuite, Naxos sera à l'abri, et nous pourrons partir. Je suis prête. Alors tu as toute ma confiance. Avec ton bouclier. Ou sur lui. Et maintenant, nous pouvons aller frapper le culte.